Salut à tous, je suis à Neuilly aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Fred, il dirige l'agence Fred et Lyon. Et pour Fred aujourd'hui, c'est série questions, venez avec moi. Fred, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quel était le comportement des passants devant ta vitrine? Et est-ce que tu as pu te rendre compte finalement des informations qu'ils retenaient? Oui, Romain, on observe quotidiennement le comportement des gens devant notre vitrine. Alors évidemment, ce qui les retient le plus, c'est tout ce qui est interactif. Donc des vidéos, forcément, les vidéos de présentation sont beaucoup plus engageantes, beaucoup plus ludiques, donc ils s'y attardent pas mal. Après, le comportement des gens diffère aussi selon les horaires de la journée. On a, à la sortie des écoles par exemple, plus un public familial, donc on a différentes typologies de clients à différentes heures de la journée, avec parfois des gens plus ou moins pressés. Effectivement, dans un monde idéal, on rêverait d'avoir un outil qui nous permettrait de mesurer, de quantifier le passage, le flux, la durée d'attention devant nos écrans. Ça serait vraiment un outil qui serait remarquable et qui pourrait nous aider.